Salut les amis, aujourd'hui on va aller prendre un petit peu les embruns de la mer, on va aller rouler en bord de mer, vu que c'est à, on va être à 5 km de la maison, mais j'en ai profité pour me chauffer et partir de la maison en vélo. Donc là on va aller rejoindre les copains, en plus comme il fait pas beau, si on se prend une chavane au moins. Allez, on est parti dans les singles là. On commence à dérouler avec les copains juste avant d'attaquer les montées où ça risque de piquer un peu. Ah, il fait lourd en plus aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Allez, on y est, ça monte, ça monte. Ça, c'est le petit genre de montée un petit peu technique, j'adore. Physique, mais tu la vois pas parce que tu es concentré pour passer les hop. Après ils ont pas les cuisses, hein. C'est pas grave, hein. C'est normal, hein. Ils peuvent pas tous être comme moi, hein. Non, vas-y, je rigole, c'est moi qui vais le bloquer comme ça. Oh putain. Allez, c'est parti, normalement première descente. Aïe, premier arbre. D'attraper. Oh purée. Non, ça descend pas. Alors. On discute. À droite, à droite, à droite et à droite. Allez les gars, allez, c'est parti. Oh Seb, j'ai mis deux coups de cul dans la roue. Je suis trop en arrière. Allez, ça commence fort sur les chapeaux de roue avec une belle descente technique. Et hop, ça mène la vie. Ah, c'est pour ça qu'on vient faire du vélo. C'est pour ça qu'on vient faire du VTT, qu'on en chie dans les montées. C'est bon ça. Et par contre, ça glisse. Hein. On ne compte pas faire un freinage d'urgence sur 2 mètres. Hein. Attention la broche! Attention la broche! Ah ouais, d'habitude on descend à gauche là! Ouais, joli! Allez, on se retrouve après! Allez, c'est reparti! Ah non, c'est pas reparti! Ah, ça remonte! Allez-y, allez-y! Je vais attendre là! Comme ça, personne se trompe! Allez, on est reparti tranquillement dans un petit single là. Je pense que ça va descendre encore un petit peu et après par contre on va se faire violer par une montée de fou. Putain, c'est bon ça, mais par contre il faut faire gaffe au centre. Hein. Avec les arbres sur les côtés, c'est la misère. Hein. Faut être sur le qui-vive. Regardez-moi cette vue en face en même temps. Vous regardez la vue et moi j'essaye de pas tomber. Oh purée, il est bon celui-là aussi. Je crois pas l'avoir déjà fait celui-là, je me rappelle plus. Tout ça, personne devant. On peut un peu plus. Ah, on voit David au loin là. Ah, c'est que j'ai pas mal roulé, si je retombe dessus. Ah non, c'est parce qu'ils sont arrêtés. Je me faisais des films et tout déjà, putain, tu pédé. Coucou. Allez, go, go, go. Allez, on a David devant. Ce qu'il y a de bien quand il y a David, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de ralenti. Ah, c'est pas vrai, je vais pas chier, tu vois. Il m'a mis la misère. Là, il est parti. Oh, putain, c'est les toboggans, c'est bon. Ouh. T'attends là? Ouais, ouais, j'attends. Allez, ça va. Oh, elle était bonne ça. Oh, des petits toboggans là, c'était génial. Oh, top du top. Et de suite après la descente, je vous avais parlé de la sanction. Elle est là. Et là, c'est que le début. Après, ça fait encore plus mal. Alors, on va passer toutes les petites vitesses. Et puis, on va essayer de se laisser porter.
Ouais, ça c'est une autre partie. Allez, ça va. Oh, joli. Je crois que c'est la première fois que j'arrive jusqu'à là. Bon, je vous passe la suite, ça devrait y aller. Je crache les poumons, les amis. Super content, première fois que je la passe sur le vélo entière, celle-là. Je pense que j'ai laissé des cartouches, ça va être dur pour le reste de la sortie. D'autant plus que là, il y en a encore une qui arrive qui est. Enfin, on verra bien. Derrière, il n'y a pas tout. Il est en train de récupérer. Ça souffle dur aussi. Je vois que je suis pas le seul qui ait laissé des cartouches là-dedans. Ça rassure. Allez, on y va. Là, c'est la deuxième partie. Celle-là aussi, ça fait un moment que je ne l'ai pas faite sur le vélo. J'y suis déjà arrivé, mais ça fait un très très long moment que je ne la fais plus sur le vélo. Bon, je vais vous passer. Je vous dirai là-haut. Sans tricherie si je l'ai faite ou pas. Allez les amis, celle-là aussi, elle a été faite sur le vélo. Super fier de moi là aujourd'hui. C'est peut-être les seules montées que je ferai sur le vélo aujourd'hui, mais c'est fait. Bon, mais première fois qu'on a tout fait de A à Z sur le vélo. Compliqué, on a bien mérité une petite descente maintenant. Tout fait sur le vélo. Il m'a l'air blanc, alors regardez-le. Ah, je suis en PLS. Qu'est-ce qu'il a? J'ai pas le cardio, ça doit taper à 300. Et le vieux président, il est où le vieux président? À pied. Hein? Mais il est là, devant. Il était devant. Avec son Yeti number one. Yeah, man. Hey, yeah, man. Ah, et après ce calvaire en montée, on va se faire plaisir un petit peu en descente. Alors là, il faut en faire gaffe parce que je suis liquide. Et celle-là, elle est quand même aussi technique. Hop. Là, le virage un peu trop à droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, sans déconner. Ils ont lissé là. Oh putain, là il y avait de belles marches. Oh, dégoûté. Bon, ben un peu dégoûté sur ce passage là, parce qu'avant on passait par là. Il y avait un joli petit passage un petit peu technique. Là ça a aménagé le chemin d'à côté tout en détruisant celui-là. Je vois pas pourquoi. Là j'arrive pas à comprendre. Si on veut faire une piste un peu plus large sur le côté, pourquoi pas, mais pourquoi enlever le passage technique, surtout qu'il n'était pas des plus violents, il était faisable par tout le monde. Enfin, c'est, je comprends pas. Allez, c'est reparti. Essaye de garder le regard bien loin. Bien celle-là aussi. Un peu moins technique, on prend un peu plus de vitesse. Ah, ben voilà pour cette descente. Bon, ben toujours aussi bien cette petite descente. Je sais pas s'il avait prévu de faire un morceau nouveau ou quoi, parce que je suis en bas et je vois personne, ni qui arrive et ni qui est là. Alors, à mon avis, je me suis planté quelque part. Enfin, j'ai pris le parcours habituel. Enfin, on verra bien. Je les ai retrouvés, en fait, j'étais parti trop vite. En fait, je pensais être au milieu du groupe et j'étais en haut, je suis parti descendu au premier, c'est pour ça que je les voyais pas. Ils m'ont rejoint. Ouf, je suis plus perdu. Vous pouvez arriver qui vous voulez, ce sera
comme ça. T'as fout de notre gueule, t'as pas crevé, ton pneu il est gonflé. Nous on revient, non, on charge et tout, batterie, on nous dit c'est gonflé, c'est crevé, et le pneu il est bon. Ok vous. Bon allez, c'est pas bien, mais je fais ma feignasse. Ça tonne que ça on peut plus, toutes les excuses sont bonnes. Ah, je vais couper, et je vais me rentrer tranquillement à mon chez moi. Ah, j'ai mal au dos, je suis fatigué, je peux pas vivre. Donc du coup, des fois, il vaut mieux savoir couper plus tôt, se reposer un peu et revenir plus fort le week-end d'après, à la sortie d'après. Donc là, on va se faire à la descente tranquillou. Et puis après, le trajet retour jusqu'à la maison. Allez, ça va descendre tranquillement. Il n'y a qu'à se laisser porter. Quand on fait la feignasse. Ouh là là. Là, même en baissant la tête, ça passe pas. Wouhou. Ah. Allez, c'est passé. Ah, essayer de nous mettre des obstacles. Aïe, ça pique ça. Ah, encore un. Ah, c'est plus compliqué là. Là, c'est plus compliqué. Allez, c'est passé aussi. Je vous avais dit que j'allais laisser des cartouches dans ces montées. Ça m'a coupé en deux. C'est surtout moral. J'ai la flemme. Ouais, joli. C'est bien ces gens, hein, c'est des centres. Pourquoi tu peux pas aller tout droit? Faut pas aller tout droit. Tu peux te laisser aller un petit peu plus. Prendre de vitesse, moi j'aime bien. Qu'est-ce que c'est, sa maison tour au fait? Ah putain, on peut plus passer par là. Bon, bah, on va changer par ici. Bon. Ben voilà, bien retrouvé la route. Bon, ben voilà, dernier coup de pédale qui vont me ramener à la maison. Bah, une belle petite sortie quand même. Moi j'en suis quand même content, de belles descentes et de belles montées raides. Premier plan, on va dire, en mouvement, tout ce qui est sur le torse, c'est avec l'Aero 10. Dans les mêmes réglages qu'avant, vous me direz si vous voyez une différence ou pas, ça m'étonnerait. Si vous me demandez ce qu'elle a de plus que l'ancienne, eh bien, je vous dirai les écritures en bleu et le chiffre numéro 10 dessus à la place de 9. Le reste, j'en sais rien. Non, le seul truc que j'ai vu comme ça, c'est que maintenant tu pouvais filmer en 4K 60 images secondes, même en format Super View. Ça, c'est un peu plus intéressant pour ceux qui filment dans ce format et qui veulent faire des ralentis. Inconvénient, quand comme moi tu utilises deux caméras au montage, c'est la merde. Enfin, je sais pas vraiment comment on fait quand tu as du 60 images secondes et du 36 secondes quand tu utilises deux cams pour faire un beau mix au final. Bon, enfin, ça, c'est pas grave. Voilà, il n'y aura pas de test dessus, tout ça. Comme je vous ai dit, cette année, c'est à la cool. Ça va être vraiment que des vidéos VTT. Peut-être une ou... Enfin, on verra ce qui arrive au cours de l'année. Tout pourra changer. Mais on va le prendre quand même beaucoup plus tranquille et beaucoup plus fun. Allez, moi, je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde et bon week-end.